fidèle. Amen. Nous disons Dieu merci pour le privilège accordé nous, qui va nous possibilité matin encore pour nous capables de dire que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel et il a retourné venir chercher les gens qui acceptent comme sauveur et Seigneur. L'action que nous faisons déjà, c'est dans 1 Samuel, chapitre 3. Mais nous avons considéré pour vous, et nous avons demandé d'ouvrir la Bible, pour capable lire avec nous le verset 7. Le verset 7 et jusqu'au verset 10. 1 Samuel, chapitre 3. Verset 7 à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint, se présenta, il appela Samuel. Alors, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. L'église l'a dit parole ça même. Parle Seigneur car ton serviteur écoute. Parle Seigneur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous gagnons un sujet que nous t'avons partagé avec vous matin. Hein? Sujet dit que comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu? Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu? Bien-aimé, du temps Élie le sacrificateur, à ne pas confondre avec Élie le prophète, la Bible dit que la parole de Dieu était rare. Et sa vision n'était pas fréquente. Pourquoi? Parce que Élie, en tant qu'homme de Dieu, Élie, en tant que représentant de Dieu sur la terre, Élie, en tant que sacrificateur de Dieu, maison Élie était tombée en bas sanction, bon Dieu. Pourquoi? Parce que Élie te gagne deux petits garçons. Yon te rele Ophni et l'autre la te rele Phiné. Monsieur Sayo, en tant que papa, c'était sacrificateur. Yo même, tu as dû prendre place papa comme sacrificateur. Mais monsieur tombé dans la désobéissance. Yo pas respecté bon Dieu. Yo dans le temple, yo fait ça, yo vle dans le temple. Yo pas obéi de Dieu. Bible dit que. Monsieur Elio, pas connaît bon Dieu. Et c'est un bagage qui grave. C'est un bagage qui grave. Là, yon moun prétend que vous servez bon Dieu et vous pas connaît bon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Bible en dit que monsieur yo te tellement désobéi bon Dieu, dans le temple, yo, là yon moun vin offrir un sacrifice. Avant même sacrifice d'arriver, il y a un bon Dieu, il y a un fouchette à trois dents, il y a des gens qui travaillent dans le temple pour prendre viande, pour manger avant même sacrifice d'arriver, il y a un bon Dieu. Et ça fait maintenant que je dis que, ou même l'église chrétienne qui a servi bon Dieu, fais en pile attention, parce que bon Dieu est jaloux pour présence. Côté présent, bon Dieu pas joué avec ça. Et si ouais, bon Dieu fait grâce, ou manipule. Présence li manifeste ça, l'ici là, gardez ça gros, gardez ça cher.
Et yon grand monde capable d'éteindre présence bon Dieu dans l'église chrétienne lumière. Petit elle yon pas servi bon Dieu. Et bon Dieu besoin monde pour parler, besoin monde pour communiquer quelques messages. Et monsieur tellement désobéi bon Dieu qui bagay, la femme dit tout péché mène yon l'autre péché. Tout monde qui nan désobéissance qui pas tande la voix de Dieu ou tombe en bas sanction mon Dieu, c'est comme d'aller ou moun ka kap marcher dans la rue, je ferme machine ka krazo ou ka mourir n'importe quelle heure. Et mon Dieu pour nous une sentence, li voyon un message ba Eli. Pour dire Eli que moi ouais ou renmè petit yo plus pasim. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est bagay bon Dieu parle pour yon moun pren place li. Ou ka renmè ou petit mais pas passé bon Dieu. Ou ka renmè mari ou mais pas passé bon Dieu. Ou ka renmè madame ou mais passé bon Dieu. Ou ka renmè pasteur pas passé bon Dieu. À la minute qu'on fait ça, on tombe dans l'idolâtrie. L'Éternel voye di Eli, moi wè ke ou renmè ti moun ou yo passé. Eh bien, mais ça, li rappele Eli, mais comment m'te choisi ou comme sacrificateur, comment m'te pren peuple là en Égypte, tout péripétie, te passé moi te là avec yo. Mais koun ya sou jwenn moyen ou kite petit yo a déshonoré. Mais bien aimé dans le Seigneur. Homme de Dieu, femme de Dieu, gen ti moun k'ap servi bon Dieu. Attention. Attention. Nous prétendons que nous obéissons, nous aimons bon Dieu. Est-ce qu'on parle même petit doigt plus que bon Dieu? Monsieur Elio t'a désobéi bon Dieu dans le temple là. Il t'a fait ça qui mal. Et monsieur tellement il fait ça qui mal, il va coucher fin dans le temple l'Éternel. C'est grave. Parce que péché, c'est pas quelqu'un qui est aveugle, qui fait mon aveugle. Et nous-mêmes, comment nous respecter bon Dieu ici? Hein? Ou bien comment nous pas respecter bon Dieu? En pile fois, qu'on a observé, et ça m'a parlé avec moun qui m'a d'accueil ici dans l'église chrétienne Lumière. M'kon wèl ge ti moun kap antre l'église là avec chiko nan men yo. Yo fin nou chiko yo la ge pa chiko a terre ya. Attention. Attention. Mwen kon ap gade dans l'église bon Dieu ya. Mwen on a bay ti moun tablette téléphone pour yo joindre dans l'église là. Attention. Chaque fois papa yo le pral dans garderie, met téléphone dans met tablette dans la valise yo pour y aller. David, nous pas respecter bon Dieu. Nous pas respecter bon Dieu. Nous pas respecter bon Dieu. Et ça plus grave, m'kon wè gen moun ki an dan l'église a téléphone yo sonné. C'est mal élevé, c'est manque de respect pour bon Dieu. Téléphone sonné moun prend maré l'hôpital. Quelle insulte qu'on fait bon Dieu. Est-ce qu'on rentre dans le travail là avec téléphone ou an? Nous respecter pas tout mais pas respecter bon Dieu. Nous respectons tout l'autre, mais nous ne pas respecter. En tant que bon Dieu, nous fait tout ça nous voulons. Il y a conséquences. Attention. Bien aimé, bon Dieu cherche au monde. Bon Dieu cherche au monde pour le parler. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur Samuel. Qui en tant que plan. Qui au service de l'Éternel. Et ça m'a gardé dans verset 7. Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et l'Éternel pour qu'on révèle la Samuel. Là, me pose une question. Et tout le monde connaît l'histoire Samuel, comment Samuel est arrivé à prendre naissance. Anne pas de café petit, la prière, elle m'a dit bon Dieu, petit, dit bon Dieu, si vous avez un petit garçon, m'a consacré là ou même. Effectivement, le petit garçon qui a 3 ans, Anne monte dans le temple en silo, lui offre l'Éternel. Et Samuel dans le temple en bas, un sacrificateur de l'Éternel. Comment Samuel ne fait pas contre bon Dieu? Question. Ça fait me sentir matin, il y a des gens qui ont fait corvée dans l'évangile. Ça fait me sentir qu'on bon nèg qui dit a mené monde qui dit c'est pasteur qui c'est évêque, yo pas contre bon Dieu parce que bon Dieu parle les yo.
Et là, bon Dieu, parle au monde marcher d'elle, c'est grave pour vous. Parce que tout le monde qui a servi bon Dieu, tout le monde qui a travaillé au ministère bon Dieu, faut qu'on recevra un appel, non mais bon Dieu. Amen. Pas qu'il y a sorti de là. Et là, bon Dieu, elle est là qui s'est dit. Et ça fait aujourd'hui, il y a un bon monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ parce que trois faux pasteurs magouillés, trois faux apôtres, faux missionnaires, faux évangélistes, a fait des choses qui sont devant Dieu, bon Dieu. L'autre monde qui d'ailleurs décide qu'on n'a pas besoin de venir là, pas grand extérieur là. Il faut mépriser bon Dieu. Aujourd'hui, tout n'est que le pasteur, pour pasteur à trop faible, tout n'est que le prophète, tout n'est que c'est apôtre. Mais regardez qui ça, comment il vivre. L'on a dit que c'est un prophète. Ou à prendre l'eau, ou à laver les pieds, ou à laver sur le monde. C'est diabolique. Et puis, on a un aveugle qui a suivi. L'on a dit que c'est un prophète. Ou camper sur les ondes, dit comme ça que si petit ou pas à l'école, c'est pour coucher avec le professeur. Pour tout le monde à l'école. C'est diabolique. Si tu as un état sérieux, c'est que tu dois arrêter un examen dans la prison. L'on va gagner pour camper pour dire que ça c'est un monde malade, tel malade, c'est pour 21 graines pinaises pour le monde, pour l'albouet. C'est diabolique. Et il y a un bon monde, un bon égard qui sur qui ça Jésus dit. Si avec amené avec tous les deux pour aller tomber. L'Éternel a cherché le pas carré nous monde. Samuel pour qu'on compte bon Dieu. Parce que l'Éternel pas révélé là Samuel. Samuel à côté Élie, l'Éternel lui donne une voix qui relève. Samuel n'a pas fait différence entre la voix de Dieu et la voix d'Élie. Mais confusion gagne l'homme monde pas attendre la voix de Dieu. Mais confusion gagne l'homme monde pas contre bon Dieu. Et effectivement, évidemment, si vous pas contre bon Dieu, vous suivez n'importe voix. Samuel n'a pas attendre la voix ça. Et bon Dieu besoin monde pour le parler. Il y a Samuel. Samuel a joint Élie pour dire Élie, me voici que tu m'as appelé. Élie, non, barre Léo. Et là encore, Élie tombe non avec spirituel. Élie t'a doué qu'on est en tant que sacrificateur. Si Samuel l'a même, vois ça, c'est la voix de l'Éternel. Mais Élie, puisque Élie en bas de désobéissance, maison Élie en bas de sanction, Élie n'a pas gagné aux oreilles spirituelles. Mais ça claque des jodiens, l'église dans confusion, dirigeant par nos oreilles spirituelles, enfin, moun fait ça au blanc de l'église parce que moun yo pas gagné aux oreilles spirituelles pour tendre, laisser voir mon Dieu qui parle. Si je nomme Naljouen Eli pour le dire, me voici, tu m'as appelé, il dit non, barre Léo, al coucher. Une deuxième fois, une troisième fois, il vient comprendre, il vient une petite lumière pour le dire, ah bon. Assurément, c'est l'Éternel qui relève. Et si l'Éternel, sous tant de voix encore, dit, parle, Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Effectivement, le Samuel allait là le coucher. L'Éternel n'a pas seul parce que nous avons un Dieu de patience, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Mais en même temps, un feu dévorant. C'est ça, nous ne connaissons pas. Et maintenant, Samuel allait le coucher. L'Éternel retourne à venir relève. Samuel pour une troisième fois. Et Samuel parle comprendre pour lui dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église chrétienne lumière, pour tendre la voix de Dieu, pour comprendre, il faut que vous gagnez une soif et un grand goût spirituel. La paix bon Dieu avec vous. Pour tendre la voix de Dieu, il faut que vous gagnez une soif et un grand goût spirituel. Ça veut dire, frère Lomil. Tendez bien. Tenez bien, la soif de Dieu, mais ça soif de Dieu. L'aime soif, bon Dieu, il fait ma vie prier. L'aime soif, bon Dieu, il fait ma vie lire la Bible. L'aime soif, bon Dieu, il fait ma vie dans l'étude biblique. L'aime soif, bon Dieu, il fait ma vie jeûner. L'aime soif, bon Dieu, il fait ma vie marcher dans la sainteté. C'est ça la soif de Dieu. Samuel, tant de voir, lui répond. Et l'Éternel parle pas à Samuel, il dit, mais ça me bral fait. Regardez, je prends le fond bagay en Israël, que n'importe qui qui tende ça, il est étonné. Parce que je prends le corriger maison Eli. Je prends le sanctionner Eli. Et je prends le nous seulement, parce que je m'a tué petit Lio. Mais bien aimé, ça fait me dire l'église chrétienne lumière,
présence bon Dieu pas dans jouette. Ouais ici l'église chrétienne lumière. Je voulais dire ça, je parle à dirigeant au premier. Monsieur, rangez causez nous. Les dirigeants, rangez pieds nous. Je ne sais pas si je dis qu'il marche sous 12 pour papiller 13. Et bien, moi, je dis qu'il marche sous 11,5 pour papiller 12. Bon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et moi, en même temps, on fait un feu dévorant. Bon Dieu, pas nos partenaires. Bon Dieu, pas nos amis taille. Aux amis, bon Dieu, c'est tout ton faire respect. Aux amis, bon Dieu, c'est tout ton marché de la sainteté. Aux amis, bon Dieu, c'est tout ton marché droite. On regarde de Chroniques 26. Waouh, Ozias, fait 52 ans, a servi mon Dieu bien. Le monsieur arrivé sous pouvoir, Bible dit, lui marche comme papa, il te marche droite. Fait tout bagaille bien, craser ton idole. Pays après, regardez, on vent qui a soufflé sur le pays. Orgueil. Pour Ozias. Lui quitte place. Ou aller là l'offrir sacrifice. 82 sacrificateurs courent pour dire ouais, non, c'est pas droit, c'est pas l'autre part. Lui fâché, l'irrité, il prend l'ensemble. À l'instant, l'ep tombe sous lui. Bon Dieu, pas dans le jouet avec le monde. Côté présent, bon Dieu, c'est respecter ça. Et c'est mettre monsieur d'ailleurs, l'ep couvril. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme on dit, pour tendre et comprendre la voix de Dieu, il faut avoir un soif et un fait spirituel. Mais pour gagner soif spirituel, faut ou gagner un cœur qui pas gain hypocrisie. Pour gagner la soif spirituelle, faut ou gagner un cœur qui pas gagner des débris là-dedans. Parce que ventou c'est même j'avais cœur, même je protéger ventou ou pas manger n'importe qui bagaille, ou pas manger n'importe qui là, mais c'est qu'on doit protéger cœur qu'on vient débris qui empêcher la voix de Dieu parler dans cœur. Et à la minute que la voix de Dieu pas parler dans cœur, gon l'autre voix qui parler. Aristote le grand philosophe a dit que la nature a horreur du vide à la minute que l'esprit mon Dieu parle dans cœur, gon l'autre esprit rentre dans cœur. Pourtant la voix de Dieu faut qu'on gagne un soif spirituel. Comment pour me gagner un soif spirituel? C'est le cœur moins disposé à chercher l'Éternel. C'est là me gagne un cœur qui pas souillé. Et maintenant nous avons le côté serviteur. Pasteur Belouteli dans Marc chapitre 7 verset 21. Et Jésus pral dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Salomon pral dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour qui ça? Parce que si même que ça ou caraï avèl ou karemè avèl, mais le pas gagner deux bagages en même temps. Ce soit le remé ou bien le raï. Ce soit pour bon cœur, pour bon Dieu ou bien pour Satan le diable. Pas gagner sorti de là. Le cœur. Et même Aristote ça parle dit, le cœur est le siège central de la sagesse. Le cœur, si cœur pas bon ou pas qu'à ouais Jésus. Si cœur pas bon ou pas qu'à attendre la voix de Dieu. Tendez la voix de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? L'aime tendre la voix de Dieu, lui fait m'envie, lui bib moi. Et par contre, l'autre côté m'kayouen pour satisfaire que moi. Autant la dit, alléluia, m'bouin Jésus, que longtemps dans moi cherché, Jésus satisfait tout cœur. Eh bien, si vous pagez Jésus, que vous pas satisfait. Et à la minute, qu'est-ce que vous pas satisfait? Non, Jésus, qui va satisfaire? Dans le monde. Et ça fait jodian, nègre la prend deux femmes, trois femmes, qu'elle pas qu'à satisfaire. Les fumer cigarettes, qu'elle pas qu'à satisfaire. Les boire tafia, ça pas suffit. C'est Jésus qui a satisfait cœur. Alléluia, moi je viens de Jésus. Que longtemps dans moi cherché, Jésus satisfait tout cœur. Oh là, on vient de Jésus, bien aimé dans le Seigneur.
Premier bagage il fait pour lui relever au vivre dans la sainteté. Premier bagage Jésus fait pour cœur, lui changer lui bon l'autre cœur, ou venir aimer monde, ou venir apprécier monde, ou venir envie prier, ou venir envie adorer, ou venir envie chanter la gloire de Dieu, ou envie lire Bible, ou envie aller dans l'étude, parce que Jésus satisfait cœur. J'étais là par la Samuel. Il dit Samuel, je prends le fond bagarre en Israël, que tout le monde qui tendait ça, il a saisi. Et qui ça me prend le faire? La Bible dit que les Philistins tombaient en guerre avec Israël. Bien aimé, depuis présent, bon Dieu, par là, c'est catastrophe. Je dis, je viens de comprendre ça que fait. Maison yo a mal marché, c'est parce que pas de présence mon Dieu. Et me dit depuis présence mon Dieu par là gon l'autre présence. Gon l'autre présence. Puisque peuple là dans la désobéissance. Philistin entre en guerre avec yo, 33 000 hommes tombés en un seul moment. Parce que présence mon Dieu par là. Le peuple Israël ouais ça il dit mais bon on a pour chercher l'aide de Dieu à Silo. Côté vagabond il y a demeuré. Effectivement, vous voyez de l'âge de Dieu qui symbolise la présence de Dieu à Silo. Les lâches l'arrivée devant dans le camp d'Israël là, ils ont fait un grand cri à tel point les Philistins tendaient bruit ont dit qui brille ça assurément. Un Dieu qui t'a blagué vert, qui t'a blagué malheur sur le pays égyptien. Eh bien, c'est même Dieu ça. Yo, ah, attention. Mais bon, depuis présence, bon Dieu, par là, tout ça va faire ses corvées. Effectivement, lâche la vini. Mais bon Dieu, quand on baille au dos déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, on nous mène un bac nous bien devant bon Dieu, attendez. On nous marche droit devant bon Dieu. Regardez, pas marcher selon moun, ça, Jean Moun dit ou marcher, mais c'est marcher selon bon Dieu de marcher. Effectivement, lâche l'arrivée. Mais bon Dieu, quand on baille au dos déjà. Et la Philistin envahit le peuple Israël, qu'on y a eu, prend lâche l'arrivée. Qui symbolise la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, attention avec présence, bon Dieu, dans la vie. Gardez présence, bon Dieu, plus que maman. Gardez présence, bon Dieu, plus que mari. Gardez présence, bon Dieu, plus que l'argent. Parce que présence, les plus chers passent l'or, les plus douces passent miel. Et tout le monde qui goûte elle. Amen. Tout le monde qui goûte elle. Effectivement, ils ont pris l'âge là. Les Philistins prennent l'âge là à la velle. Et Kounian, non seulement ils ont pris l'âge là, soldats Israël commençaient par tomber. Premier monde qui a tué, c'est Ophni et Finé. Mais conséquence, là, ils n'ont pas respecté bon Dieu. Mais conséquence, là, ils n'ont pas gardé les choses de Dieu précieuses. Les enfants, ils sont tombés. Premier monde qui mourit, c'est eux-mêmes. Et quand il y a un grand message, il courut. Qui pourrit, qui veut jouer Elie. Elie dit, qui pourrit ça? Parce que Elie, à 98 ans, la Bible dit, c'était tellement gros, il chita son chaise, il pas ouais. Mais il tendait. Il m'a dit, qui pourrit ça? Il m'a dit, il dit, ça c'est, ah, ça grave pour le peuple d'Israël là. Parce que, non seulement ils ont tué des soldats Israël, mais ils ont tué des petits, ils ont offni et fini. Elie, le gars de texte là, il n'est pas tellement inquiet parce que bon Dieu, t'es connu que ce sont des hommes pervers. Bon Dieu, t'es connu qu'il a tué, mais ça n'a pas tellement fait Elie mal. Mais Elie m'a dit, elle lâche de l'éternel. Non, il m'a dit, il prend lâche là et à la velle. Elie s'est tombé. Il est mort même côté. Et Kounian, la Bible dit que. Pendant le bruit de Simaïe dans le camp d'Israël, il y a madame Finé qui était grosse, qui était enceinte. Là, le temps de bruit, elle m'a dit qui s'est passé. Elle dit madame, non, mon cher, mari ou mouri, beau frère ou mouri, mais beau père ou mouri. Madame, non, c'était enceinte. Et non seulement ça, elle prend l'âge de l'éternel. Madame, non, tombée, femme sage, elle courut pour un lit. Et puis, quand elle a regardé, elle a poussé petite là par force.
Et puis femme ça elle a pral dit bon. Ça n'a pas cherché à nous joindre. N'après le petit nomme Ichabod qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Bien-aimé, depuis pas gain présence bon Dieu dans un côté c'est corvé. Depuis présence bon Dieu pas quitter un côté, tout mal qui arrive parce que présence bon Dieu c'est bagaille qui protège. Je dis m'a dit un bagaille, ça fait qu'à marcher là c'est parce que présence bon Dieu dans la vie. Ça fait l'église qui prend pied c'est parce que présence bon Dieu là. Ça fait diable pas manger déjà, c'est présence bon Dieu dans la vie. Ça fait louga ou pas finir avec déjà. Là vous écoute poutzou, là vous mal malfaiteur d'eux, malfaiteur vienne d'eux. Il pas rentrer parce que présence bon Dieu là. Et je vous prie, dis-moi, mon Dieu, ou pas une défense. Pas une défense. Pas une défense. Dame, notre poussée petite là par force. Et femme, ça, elle a dit, n'après le Ichabod, qui dit, la gloire est bannie. La gloire qui quitté Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Et m'a dit, un bagage qui est tellement cher, tellement précieux. La gloire de Dieu te couvre, peuple Israël. On regarde dans le désert. Israël a marché. La gloire de Dieu couvrit le soleil pas brûlé yo la journée les soirs la gloire de Dieu couvrit yo gon lumière qui conduit yo les regardez cheveux souliers dans pied yo pas jambes chirées yo sont en Israël en Égypte pas avec souliers même souliers ya radio pas jambes sales parce que la gloire de Dieu couvrit yo les perdu la gloire de Dieu wot jab ap manje yo les perdu la gloire de Dieu ka fait tout bagaille les perdu la gloire de Dieu ka volo les pas présent bon Dieu ka tomber dans adultère les pas présent bon Dieu ou pète ripotaille. Là, pas présent bon Dieu, ou a fait tout tété, ou a fait, ou a non médisance. Là, pas présent bon Dieu, regardez, ou a hypocrite. Là, pas présent bon Dieu, regardez, ou a fait tout ça qui mal, parce que ça pour fort contre mal là, il est présent bon Dieu. La gloire quitte Israël. La gloire, parce que présent bon Dieu, pas demeure côté, non, saleté. Présence bon Dieu. Peuple a perdu présence bon Dieu, mais il a perdu toute richesse, il a perdu toute fortune. Il a perdu la gloire de Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, puisque plus on va entrer dans bon Dieu, c'est tant qu'on va joindre toujours. Parce que bon Dieu, c'est tout un océan. Comprenez? Bon Dieu, c'est tout un océan. Tant qu'on prend, si on prend, ou a besoin de toujours. Ça fait du matin. Ou même qu'a servi mon Dieu, servi davantage. Ou même qu'a prier davantage. Ou même qu'a marcher dans la sainteté, marcher davantage. Ou même qu'a vivre dans la sanctification, marcher davantage. Servi mon Dieu davantage. Et me voulez du matin, ça fait pas assez. Ça pas assez. Mon Dieu besoin plus toujours, ça pas assez. Mon courage au matin pour servir mon Dieu davantage. Et l'a servi mon Dieu bien, qui récompense. Abraham, mon Dieu, avant l'église. L'observe, mon Dieu, bien. Gué récompense. Gué récompense. Moun met pas comprendre nous, mais gué récompense. Même si on critique parce qu'on marche à droite, gué récompense. Parce que bon Dieu, si vous regardez, bon Dieu, gardez. Lui, ouais, toute humiliation pour parce qu'on vive la sainteté, la récompenser. Je dis, il n'y a pas prêché moun la sainteté. Parce qu'on met vin janvier. Ouap béni. Mais tout ces bluffs, c'est menti. Premier gars, bon Dieu fait pour les relève, il relève pour marcher dans la sanctification. Amen. Premier gars, Jésus fait les relève, il relève pour vivre dans la sainteté. Pour qui ça le dit? Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et à la minute qu'on vient de Jésus, bon Dieu, l'homme vient de Jésus, il y a trois étapes de la sanctification. La première étape, ou entrer dans la sanctification positionnelle. On prend position. Ouais, voilà. On tape faire out ça. Ouais, l'aime dans out ça. On ca gagne des femmes, l'aime dans out ça. On ca faire magie, l'aime dans out ça. On ca voler, l'aime dans out ça. On ca bailler menti, l'aime dans out ça. On ca faire tripotaille, l'aime dans out ça. On ca railler moun. Mais l'aime quand on vient Jésus, on prend l'autre position. On fait ça. Quand on est en bonne position. Bonne position. Kounyan, m'entre dans la sanctification positionnelle là. M'pon l'autre position pour Christ. Pendant m'pon position pour Christ là, moun ki tap joué ou joué domino, joué 4, volo avec yo, y a Ibrahim. Mais kounyan m'pon position, m'dim, pas pour diable comme c'est pour Christ. Et kounyan ça qui passe, m'tombe dans la sanctification progressive.
m'pas ka prier, m'commence à prier. M'pas ka li Bible, m'commence à li Bible. M'pas ka adorer, m'commence à pas adorer. M'pas ka jeûner, m'commence à jeûner. M'commence m'te raï moun, m'commence pas remé moun. M'commence remé pasteur, m'commence obéi moun. M'pa m'quitter parler mal d'air, m'entrer dans sanctification progressive. Chaque jour, m'a marcher vers la fin de sanctification finale. Chaque jour, m'a font pas. M'vinn pas ka raï moun encore parce que ma vie de la sanctification progressive. M'a marché. Kounyan, moun met pas les mal, ça va dire rien. Parce que m'change position. Kounyan pour l'autre position. Moun met critiquer, ça va dire rien. Ou met pas les mal, ça va dire rien. Ou met distorlé, ça va dire parce que pour l'autre, m'font l'autre route, non l'autre route. Kounyan, m'a monté ou même m'a descendre. M'joue avec Jésus. Et satisfait. Bien avec Jésus. Lord, kounyan, pendant notre sanctification progressive là, m'pa ka rebelle encore. Est-ce que vous attendez ce que je dis là? Pendant notre sanctification progressive là, les pasteurs passent pour l'ordre, pour un bagage qui en faveur l'église là. Je fais comme les habitants de Béret, moi analyser ça, dire est-ce que la bon pour moi? Si la bon, puisque c'est Bible en dit, m'obéis. C'est sanctification progressive là, oui. M'obéis. Kounyan, pendant la sanctification progressive là, m'entraîne dans sa le dépouillement. Parce que tout chrétien sanctifié, pas qu'à accepter qu'on est étranger sous yo. La paix vous dit avant, oui. Tout chrétien sanctifié, pas accepter qu'on est étranger sous yo. M'obéis à ce que la Bible dit. Parce que, m'gade, et pas moi qui écris la Bible. Pas même bien qu'on lit, est-ce que j'ai écrit la Bible? Non. C'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand ma vie de la sanctification progressive, pendant ma vie de la sanctification progressive, là, moi, je viens de monde qui obéissant. Est-ce que là même? Quand je viens de mon oreille spirituelle, ma vie, chaque jour, ma pipe près, bon Dieu. Chaque jour m'a marché plus près bon Dieu. Chaque jour m'a tendé la voix de Dieu qui a dit me quitter ça. Au moins quelques des fois l'aime prier, m'a prier bon Dieu pour me dire Seigneur, j'ai besoin, j'aime me dire Seigneur, retirer toute vieille bagarre qui pas bon dans cœur, nettoyer, laver, connaître soif là oui, et soif là dit me garder, faut jeûner, garder soif là dit, faut pas parler monde mal, soif là dit, faut obéissant, soif là dit, faut chercher bon Dieu, soif là dit, qu'il faut descendre sous sacou, soif là dit, qu'il faut jeûner, soif là dit, qu'il faut accepter humiliation, faut accepter dormir sous ciment parce que pour joindre grâce pour une onction, on prie à payer pour ça. Amen. Montrer la sanctification m'a marché. Kounyan, l'aime dans la sanctification progressive là. M'gon zo spirituel. M'pa nan redi avec pasteur encore. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Dimanche Sainte-Seine, moi étonné, moi troublé, moi bouleversé. L'église chrétienne ça fait me dit ou Dieu bon Dieu sous mais malheur à ou même. Malheur à ou même. L'église, bon Dieu te voulait sanctionner. Parce que bon Dieu pas fait rien sans avertissement. Autant de ça, m'dou l'on. L'averti, ou c'est ou même qui fait rebelle, qui fait le punir. Mais bon Dieu pas fait rien sans avertissement. Bon Dieu avertit l'ange de l'église là, pour dire que même moun kap viv dans la désobéissance. Bon, c'est à une gloire. C'est à une gloire, m'ta content. Pour bon Dieu dit, pasteur, dit, oh, même moi, frère Jano, tout ni. Laisse ça, m'ta prendre Dieu, bon Dieu, sous moi. M'ta prendre sac, moi. M'ta prendre genou, moi. M'ta descendre, m'ta quitter le lieu confortable là. M'ta venir sous sac, moi. M'ta prendre sang, moi. M'ta tomber gêné. Mais le pasteur dit que l'église n'est pas fait Sainte-Seine. Ce jour, l'église n'a pas entré en Sainte-Seine. Pasteur dit que toute femme couvre tête, yo, pour vite prendre Sainte-Seine. Pasteur dit que tout le monde qui a faux cheveux, même pas personne qui a dit frère, il a méprisé le monde. C'est pas ça, dit l'évangile qui a parlé. Que tout le monde qui a faux cheveux dans la tête, pas prendre Sainte-Seine. Un, pour un service précieux comme ça, pour un bagage si cher comme ça,
peut-être un vieux faux cheveux, peut-être pour me couvrir tête mais pour me pas prendre cette scène. Oh! C'est grave, oui. L'église c'est grave. L'église c'est grave. On remet le feu chevé à passer, mon Dieu. C'est si nous avons été tellement précieux. Si Christ vient nous dire qu'on a l'église. Si Christ est apparu sur le cougnier là, qui destination? Un bon vieux faux cheveux pour couvrir tête, pour dépouillement. Et je voulais dire tout le monde sanctifié, pas accepté comme étranger sous yon. L'église réveillée, Jésus-Christ est la porte. Alléluia. Jésus-Christ est la porte. L'église réveillée. C'est qu'on a observé, mon Dieu, regardez. Trompette l'a sonné dimanche matin, on a continué à venir à l'église. Si c'est qu'on s'en a servi, mon Dieu, trompette l'a sonné samedi soir, dimanche matin, on a pas avec Bib, nous venons servir l'église. Dimanche matin, on a pas avec Bib, nous venons l'église, et puis tout chrétien qui est allé. Mais malheur, ou même. Je dis, on dit nous l'évangile, mais on nous l'évangile, tout le monde fait ça, vous voulez. C'est pas vrai, c'est menti. Non, je chapitre 6. Jésus a prêché, il a dit, mon yo, bon méchant, qui te mal, qui te fait ça que mal. Tout le monde vient de y aller. Je dis, bon, nous l'évangile, vine Jean, c'est cœur, bon Dieu, menti, monsieur le leader, si vous prédicatez ta campagne, c'est cœur, bon Dieu, pas mal ni encore. Si vous prédicatez ta campagne, c'est cœur seulement, mon Dieu, besoin, pas mal ni encore. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Amen. Même bon Dieu qui est là depuis longtemps, c'est lui qui est là jusqu'à présent. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là pour vivre de la sainteté. Il faut que j'arrive au moment. Si madame ne m'a pas conformé, c'est pour dire non, pasteur. Faut que j'arrive pas qu'à prêcher l'évangile encore. Amen, l'église. Si madame Mouem go vieux comportement dans Kaila, c'est pour dire non, frère, il ou pas qu'à prêcher. Faut prendre un sac ou. Là, il pas qu'à acheter qui moune dans l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile Christ lié. Ou pas qu'à conformer aux gens, mon Dieu, demandé là. Chita. Maestro, messieurs, mes musiciens, yo. Pas qu'il vienne jouer, pas qu'il a joué dans le jazz, vienne jouer pour mon Dieu. Non! Si vous voulez jouer dans le jazz, allez! Si vous voulez jouer pour mon Dieu, vite jouer! Dans le missionnaire, cas d'adoration, si la caille n'a pas le droit, pas venir adorer. Si tu as la caillou, mon Dieu n'a pas manqué de monde. Dans l'élite, pensez que mon Dieu n'a pas manqué de monde. Là, il dit, mon Dieu, c'est moi-même seul qui était comme prophète qui n'a pas adoré Baal. L'Éternel dit, il dit, détrompé. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas jamais été jeunes pour Baal. Quand mon Dieu, il y a des gens. Pas forcément servir mon Dieu. Servir mon Dieu, je mon Dieu, je veux demander. Je mon Dieu, demander pour servir. C'est toujours servir mon Dieu, je veux servir le diable. Mais tout le monde qui est là, m'encourager, servir mon Dieu. Et pas servir mon Dieu, j'en voulais. Mais servir mon Dieu, Jean mon Dieu, voulez pour servir. Que le Seigneur vous bénisse.